monte dans l'arbre, on trouve des défis, on les fait un par un. Le premier qui tombe à l'eau, bah, il est mouillé pour toute la session et après ça part en cliff. Ça va. Bon courage les gars. Okay. Merci. Salut. Rentre bien. Non, parce que je sens que je vais tomber dès le début en fait. Mais non. Le bail c'est qu'on a vraiment un essai. Et sinon après t'as les pompes mouillées, genre tu peux faire des sauts tant que t'es sec, faire des presses sur les branches et tout. Dès que t'es tombé à l'eau, c'est mort, ça part que en session. Mais bon, c'est galerie, au moins il y a de l'enjeu. L'objectif là, c'est de trouver des petits presses, des petits challenges à faire. Faut trouver un truc tranquille pour le début, pour s'échauffer tranquille. T'arrives ici, tu poses les pieds sur celle-là et tu mets directement les mains là. Comme ça, tu sécures un peu. Tu sécures. Il y a moyen de se défoncer sur une branche. Il y a moyen. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en vrai, il y a un peu de hauteur. Le moindre petit saut, c'est direct pas du tout chill en fait. C'est Flo qui teste en premier. Ouais, ça va. Chill. Romain. Ça me terrifie. Oh, mais le vieux plan. Les pieds. Hein. Ça fait trop peur, en fait j'ai vraiment pas envie de tomber hein. Là si on tombe de là là. Ah oui non. Et bah là faut bien viser hein. Faut passer pile. Non là, mais là. Tu vises pas. Et parce que sinon bah c'est dans la branche hein. C'est sûrement que tu remets en doute toutes tes capacités. De où. Le saut du singe. Oh yes. Atterrissage. Un pied. Ouah, c'était chaud. Maintenant le défi c'est de le faire dans l'autre sens. Il n'y a pas la branche pour se rattraper. Tu l'as ou quoi? Non. Yeah. Ok, bon maintenant faut trouver d'autres défis. Ok, faut que j'arrive là. Mais c'est pas du tout un bras ça. Il a fait le quoi là? Flo il a tellement confiance. Il a gardé et sa polaire et son bonnet. Ça va le faire ou quoi? Ouais ça va le faire. Vache. Ah gros. C'est un vieux bras hein. Oh la vache. Oh la vache. Oh mec, c'était mort. Ouais, cette technique elle était catastrophique. Oh mec, il fallait save le truc absolument. Là il y a les gars, ils vont essayer de monter le plus haut dans l'arbre pour faire le plus gros saut du platane. Ce qui est chaud, c'est qu'ils vont devoir passer entre des branches pendant le saut. On a repéré un endroit où il y a un V et normalement ils pourront passer au milieu. Sauf que je crois le saut il fait 18 mètres, 17-18. Et bah c'est le premier saut. Du coup ça va être chaud. Ouh. Oh le singe. Bon, je suis tout en haut là. Ça va partir fort les gars, hein, je vous le dis direct. Je dois passer ici. Okay. 3, 2, 1, chenille. Oh le con. Ça va? Ouais. Elle est trop bonne. Oh. Bon, bah Mathieu il l'a fait, mais il n'a pas beaucoup contrôlé dans les airs. Heureusement ça s'est bien passé. Oh la dinguerie. Allez 3, 2, 1. Ah
saut autour de sanglier là. Sauf que lui, ça fait très longtemps qu'il a pas cliff. Oh, Romain, il va partir fort là. On va voir popper un gros sanglier là. Voilà, je suis arrivé tout en haut du saut là, que Julien et Mathieu ils ont déjà fait. Mais ça fait un bon moment que j'ai pas cliff quand même. Bon, on va pas se mentir, c'est assez terrifiant. Là, là, oh, oui. de passer pile entre les deux branches là. Ok. Attends. Wow. Oh le bâtard. Alors Romain il allait partir et Vlad il veut faire un plan drone. Du coup il lui a dit attends deux secondes. Sauf que c'est horrible quand on nous fait ça, quand on est prêt à partir. On est vraiment tout proche et là il y a quelqu'un qui te stoppe dans ton élan. C'est horrible quand on fait un saut. 3, 2, 1, salut. Go. Là le petit programme là c'est gainer. Allez let's go. C'était sûr. Oh la fessée. Eh ben petit plat des fesses. Putain, moi rien que d'être là j'ai Guibol qui flanche hein. Il veut drop là dedans là. Là tu crois là juste là là. Ok, le nouveau défi pour Julien c'est de faire casse gainer ici. Ça fait bien bader hein. L'arbre il bouge en plus, c'est... Oh mais... Trop stylé. Bam bam. Bah oui je pense. Ouais. C'est ok bah j'y vais. What the fuck. Et vous faire sauter bah une balle. Mais non. Ta gueule. Il est malade ce mec. Il est complètement. Putain, ça rend trop bien, Max. Oh la dinguerie. Des merdes. Yeah, ça rend trop bien. Incroyable. On est dans un parc naturel. On va essayer de faire des petits plans dans des FPV parce qu'il y a Vlad avec nous en ce moment. On est à Montpellier et là on s'est écarté un peu. On est dans le cirque de Mourez. Il y a des petits pics un peu comme quand on était à Malaga.
à El Torcal. On va essayer de monter sur les pics et faire des jolis plans et se mater un putain de sunset. Moi je pense qu'il y en a un qui monte sur celui-là. Il y en a un qui monte sur celui-là. Et il faudrait en mettre un autre quelque part. Et Vlado il part de tout en haut de la montagne. En ce moment on est un peu éparpillé. Il y a les gars qui travaillent à Rennes pour faire des économies. Et nous on est à la part de Montpellier. Et c'est pour ça que on fait des petits bouts de session, des petits bouts d'explo comme ça. Pour se vider la tête un peu. Et puis parce que ça fait plaisir de découvrir un petit peu notre environnement. Parce que ça fait pas longtemps qu'on habite à Montpellier. Ouah, c'est quand même bien stylé hein. C'est beau quand même la France. Bon les gars, ça va plaire à beaucoup de monde. Mais je vous annonce qu'on va essayer de faire un film en Asie. On va d'abord aller au Vietnam, après Cambodge, après Thaïlande. C'est un projet qu'on a depuis longtemps, de tourner notre premier film et on va enfin pouvoir le faire. Nous on a tellement hâte là, dans 3 semaines on part. Il y a du lourd qui va arriver, ça va vraiment être cool. Là on part bientôt, mais on est dans les préparatifs du voyage. Et on passe beaucoup de temps à l'appart, à bosser, à faire du montage, du repérage. Dès qu'on en a marre un peu de bosser et monter des vidéos, bah on va en tourner d'autres. Il y a les gars qui sont à Rennes qui taffent et moi, Mathieu, il y a Vlad aussi avec nous, on est à Montpellier. On monte plein de vidéos d'avance parce que quand on va arriver en Asie, on n'a pas envie de faire du montage et tout là-bas direct. On a envie de profiter un peu d'être en Asie. On va rester 6 mois, du coup ça va être un sacré challenge. On fait que d'en parler entre nous. On est en train de créer une collecte de fringues aussi par rapport à ce projet. Ça va vraiment être une dinguerie. Les petits visuels là qui commencent à être bien sympas. J'espère que ce projet va vous plaire et j'espère que vous serez au rendez-vous l'été prochain. En attendant, pour nous soutenir, vous pouvez aller sur notre site. Il y a des nouvelles collègues qui sont sorties. Du coup, pour Noël, vous pouvez bien vous faire kiffer. Bon, on oublie de le faire dans les vidéos, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui nous envoie des messages, qui commente les vidéos, qui les partage. Vraiment, ça compte de fou pour nous. Parce que voilà, si on fait des vidéos, qu'on partage tous ces moments, bah, c'est pour aussi vous les faire vivre un petit peu, donc ça régale. Et pour tous les gens qui veulent nous soutenir dans nos projets, bah, y a le shop de vêtements. Et là, on a restock toutes les collections, donc faites-vous plaisir. Tous les vêtements sont faits main par Flo à notre appart de Montpellier. Donc c'est pour ça que le stock varie un petit peu parce que quand on est en voyage, voilà, on n'arrive pas tout le temps à approvisionner, mais on tient quand même à ce que ce soit fait par nous. Comme ça on vous fait des petites dédicaces dans les commandes et on kiffe faire ça. Merci en tout cas à tous ceux qui commandent et tous ceux qui soutiennent la chaîne d'une manière ou d'une autre. On se donne rendez-vous dans 2 semaines parce que c'est une vidéo toutes les 2 semaines maintenant. Allez, ciao !